tout le monde, on se retrouve dans le vlogmas numéro 22. On s'apprête à partir à Drummondville, c'est à peu près à 1h30 d'ici, pour aller voir le village tout illuminé de Noël. Ça s'appelle le village québécois d'antan, c'est vraiment très populaire. Halloween, ils font des courses un peu de zombies et tout ça, et pour Noël, ils décorent tout pour Noël. C'est gelé. Mais oui, il fait froid, attends, le chauffage. Ben oui, je sais, ben, il fait moins 9, ressenti moins 15. Bon, on s'apprête, on a 1h30 de route comme je vous disais. Je pense qu'on va s'arrêter prendre un petit latté sur la route. On a eu des nouvelles restrictions encore là qui viennent de tomber. Bar, gym et tout ça fermé à partir de ce soir dès 17h. Donc j'espère que nous ça sera pas annulé, parce que si on arrive et que c'est annulé, mais normalement c'est en plein air, donc ça devrait aller. Mais voilà, je sens qu'on sera les prochains sur la liste, les restaurants. Donc écoutez, on verra bien, on vous tient au courant. Let's go sur la route. Intérieur seulement. On s'est arrêté, il nous reste 30 minutes de route, on a pris un petit chim. Pas dire latte, c'est un vanille française, parce que quand vous dites latte, vanille française, ils comprennent pas. Voilà, toujours dans le thème de Noël, j'ai trop hâte d'arriver, ça ouvre en plus à 5h et on arrive à 16h56, donc c'est parfait. Parfait. Parfait, à la tienne. Attends, j'ai le masque et tout. Ah ouais, grave, il a même pas enlevé encore. Eh oui. Allez, go go go. Merde, là, je peux plus. On arrive au village d'antan. Même là, c'est déjà décoré. C'est magique. Le divin enfant. Waouh, c'est en fait ouais, c'est un village tout illuminé. C'est tellement beau. Des pelotes de laine à l'intérieur. Vous avez les couleurs de lutin ? Oui, c'est ça. Je suis dans le thème. Je vais essayer. C'est ça. C'est génial. Elle va loin. Bah oui. Ah, on peut y aller nous aussi. À deux. Il faudrait qu'on goûte. Il y a un mec qui fait du violon. Ah ouais. Mais on va voir. Mais on peut pas, ils ont fermé la porte là, non? Bah bon, mais ils ferment la porte parce qu'il fait froid. Chouette. Des cadeaux pour Noël en bois original. Il neige en plus, comme c'est beau. Ah, c'est des gamelles pour chat et tout, je crois. Mais non. Ah ouais, pardon. Ah, là, il fait bien celui-là. La 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 la. Pas bien là. Allez, on goûte le bonbon. Bon, on va goûter auprès du feu les bonbons à la patate. C'est une spécialité qu'ils font ici, souvent à Noël en plus. Ah, j'ai jamais goûté ça. Ça sent bon par contre à l'odeur. On est auprès du feu. Ah ouais? Non, mais c'est le peanut butter. Ah oui, c'est ça. Le beurre d'arachide. On goûte. Ouais, c'est au peanut butter. Moi, je suis pas fan du peanut butter, mais ça va, c'est bon quand même. Ça fond dans la bouche. C'est sucré, hein, de fou. Ouais, de fou. C'est trop beau. Ah, c'est vraiment à faire. Marchand. Marchand général.
Il y a la gamme dedans, ils sont chauds là. Ouais. Une petite patinoire là ? Enfin non, c'est un truc pour le hockey. Tu vois ? Ouais, c'est un truc de hockey. Ouais, parce que c'est comme ça. Wow, est-ce qu'elle est belle celle-là ? Si vous cherchez mon chéri, il est toujours à côté d'un feu. Pourtant, il fait pas froid aujourd'hui. Hein. Non, ça va. Juste moins de 10. Mais il n'y a pas de vent, donc c'est agréable. Il y a des bêtes ? Non, mes bébés ! Coucou toi. Oh, mon amour, t'es gentil. Bah oui, là-bas, il y a l'âne. Il est gentil. Ils font peur, les lutins, par contre, non ? J'ai horreur de ça. C'est genre lutins et c'est quoi, c'est les petits clous et tout. On est en train d'arrêt présentement. Je vois. C'est pas compliqué, déjà prendre deux tickets de ce bord-là. Ok, ça va, parfait. Merci. Merci, à tout à l'heure. C'est incroyable. Si vous voulez vous plonger dans la magie de Noël, venez ici. Hein. On va faire de la calèche avec les chevaux. Waouh, ils sont beaux. Hein. On est en calèche. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Merci ! C'est un bistrot, on va voir si on peut manger quelque chose. Petite sangria, on s'est arrêté dans un petit bistrot dans le village d'Antan. Tu nous sers du coup, c'est une sangria rosée apparemment avec plusieurs fruits, de la vodka aussi, à consommer avec modération. Ouais, il me semble, elle a dit, ça va bien nous réchauffer ça. Tchin. Comme chez moi.
Oh bah putain, c'est pas grand chez toi. Au moins, j'ai un sac. Allez, fais-nous une danse. Là, il y a une place festive pour danser en plus. C'est bien qu'ils aient mis ça à chaque coin, on peut se réchauffer à chaque fois. Il y a une boulangerie. J'ai pas faim, mais quoi ? Moi non plus, j'ai pas très faim. Notre pause. J'ai peur, hein. Êtes-vous prêts? Oui. Non, j'ai peur. Et c'est parti. Oh punaise, on est dans la luge, les gars. On va se prendre. Oh, mon dieu. Ah non, ça va. Voilà. On l'a fait. Allez, on remonte ta luge. Ça va, c'était pas si pire. Moi, c'est un truc à ma grand-mère, c'est de repousser. Pour mettre les épingles, ouais, mais je peux pas lui envoyer. Mais c'est rigolo. Ah, c'est pour mettre les épingles. Ouais, c'est un truc pour épingles, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Il a osé me jeter une boule de neige. Oh, arrête, j'ai vu ça. Mais à peine, regarde. On se retrouve dans la voiture, on vient de sortir du village d'antan. C'était vraiment féerique. Mais alors, en parlant avec le Père Noël, justement, parce qu'on se demandait pourquoi le Père Noël était tout le temps dehors devant sa maison et que sa porte était fermée, en fait, il nous a expliqué qu'avec les nouvelles restrictions qu'ils ont apprises aujourd'hui, ils étaient obligés de fermer pas mal de petites maisons. Donc en fait, il y a plein d'animations qu'on n'a pas vues. On est vraiment déçus. Franchement, c'est triste, hein. Et là, en plus, apparemment, à 20h, ils réannoncent encore de nouvelles mesures, de ce que j'ai compris. Donc dans genre 20 minutes, on va savoir un peu ce qui se passe encore. Déjà qu'il y a les bars et tout qui sont fermés, je sais pas trop comment ça va se passer, honnêtement. On verra bien. Écoutez, on va écouter de la radio en rentrant sur la route. Ouais. Écoutez, on va reprendre la route tranquillement, encore 1h30 pour retourner. Et voilà, après c'était joli, hein, les décors, les... c'était beau. Et... Après ta respiration, c'est normal. Attends, tu vas arriver. C'est une blague là, il se fout de moi. Il dit je parle trop vite. On a payé quand même cher, c'était 30$ la place avec les taxes et tout chacun, donc 60$ à deux avec des animations en moins, c'est quand même un peu décevant quoi. Même si c'est très beau, ça à voir, ça à faire, mais avec toutes les animations là, sans trop les animations, c'est un peu triste quoi. Mais bon, c'est pas grave, on a fait la luge, on a vu le Père Noël, on a vu les chevaux, on a vu les lumières. Voilà, écoutez, let's go, j'arrête de parler. Ouais. Go, go la route. Ah ouais. Mais y a que moi qui conduis hein, en fait. Mais tu m'as dit, ça te dérange pas et tout. Bon, on vient de rentrer, la route s'est super bien passée et on a décidé de se faire des pâtes au Roquefort. Ça va bien nous réchauffer, là, ça va faire du bien. On vient de voir que ça y est, il reneige à fond. Je viens de voir ça là après avoir mangé. Ça y est, ça redevient blanc au niveau des voitures et tout. Oh là là, c'est trop beau. Vive l'hiver. Bon, on a fini de manger et quand on est rentré, du coup, bon, je vous ai pas filmé parce qu'on est vite rentré. En plus, on a un problème de la ventilation là. Quand on est rentré, elle faisait du bruit, on sait pas trop pourquoi. Donc, on a fait sauter le disjoncteur, éteint, rallumer. Sauter, elle fait encore du bruit, donc faudra qu'on contacte le propriétaire demain pour savoir si c'est normal ou pas. Bref, on verra bien. J'espère que ça va pas trop nous déranger cette nuit. En tout cas, il neige comme je vous ai montré. Et je suis trop contente parce que quand on est rentré devant la porte, il y avait mon colis. Panty! Grâce à Octoly. Alors Octoly ne collabore pas avec des adresses au Canada, mais One Piece, comme il livre au Canada, on est passé par Octoly. Ils m'ont dit que ça les dérangeait pas de me livrer ici vu que leur site livre au Canada déjà de base. J'étais trop contente quand j'ai vu ça parce que j'ai déjà collaboré plusieurs fois et c'est vrai que je postule plus en fait sur Octoly parce que bah, malheureusement au Canada il y a peu de marques qui envoient. Donc, en tout cas, je vais avoir ma One Piece pour cet hiver. Donc c'est parti, on l'ouvre. J'ai commandé en noir, elle est trop belle, j'avais pris avec les ours, je crois. Mais on pouvait pas rêver mieux. J'adore en plus avec mes chaussons. Attendez. Ok, mes chaussons, ça va pas aller trop bien avec, on dirait que c'est fait exprès. Allez, c'est parti, on l'enfile. Bon, ma One Piece elle est là, elle est peut-être juste un petit peu large. Franchement, je pensais pas qu'il fallait prendre du S. Pour moi, du S c'est taille 36, quoi. Je suis pas du tout en taille 36. Par contre, la qualité c'est ouf, ça tient genre super chaud. Les détails de One Piece, les ours, cette collection elle est tellement jolie. Je peux même mettre la capuche. La prochaine fois, je sais au moins que je devrais prendre une taille S, mais ceci dit, yeah, la One Piece est là. Merci One Piece pour cette combinaison. Cette combinaison. Tchilalilala. On est paré pour un hiver au chaud. Maintenant le défi,
c'est de prendre une photo sur Instagram dans la neige avec cette combinaison. Écoutez, mais j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu au village d'Antan. C'était vraiment incroyable, dommage pour les animations qu'il n'y avait pas tout à cause des restrictions et qui sont tombées genre aujourd'hui. Bon, en tout cas, moi je vous fais des gros gros bisous. Prenez soin de vous. On est à deux doigts de Noël, donc je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve demain, même heure, à 16h dans un nouveau vlogmas. À demain. Bisous bisous. Bye. A Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.